C'est la touche, les amis, aujourd'hui c'est Zbox. Donc Zbox, donc le thème c'est Jumanji, on sait pas trop. On va voir. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y a du Pokémon dedans. Comme ça. Mais toi, c'est à chaque fois, tu crois qu'il y a du Pokémon. Oui. Attrapez-les tous. C'est quoi? C'est une petite borne d'arcade, mais c'est une Funko Pac-Man, j'ai l'impression. Vinyl figurine de rétro. Ça, c'est classe. Ah, c'est au hasard en plus. Alors, apparemment, c'est au hasard. Ah, collègues aiment. On va leur montrer. On va leur montrer un peu plus près. Donc, c'est en forme de borne d'arcade. C'est le packaging, ça. Ouais. Comme ça, les gens. Il te faut. Non. C'est de la marque Funko. C'est Funko Pop qui fait ça. Funko, ouais. Yes. Funko. On avait des ciseaux normalement. Mais bien sûr. Tu les as mis où? On a des ciseaux magiques, les ciseaux qui coupent tout. C'est quoi ces ciseaux? Ces petits ciseaux quand tu fais bobo. Oh. Quand tu fais bobo, prends un petit ciseau. Pour couper. Alors. On va voir laquelle. Mister. Parce qu'il y a des Pac-Man, des trucs comme ça. Si c'est Pac-Man, c'est pas. Il y a un truc Dragon Ball, je crois. Non, c'est pas possible. C'est quoi ce dragon? Non, pas du tout. Tu peux pas être spoil en fait. C'est dans un sachet noir. Ouais, trop bien. Et donc, on vous montre, c'est Nostalgia. Nostalgie avec les dés du Jumanji. Ouais. Petit sachet noir. Donc, dans cette petite boîte d'arcade, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du Pac-Man. Je vous lis tous les personnages. Pac-Man, Blinky, Mrs. Pac-Man, Mrs. Pac-Man Ghost, K. Bert, donc là c'est dans un jeu, Quanly, Centipede, Megaman, Frogger, Dig Dug, Pouka et Figar. Et là tu as eu, ah trop bien, tu as eu le fantôme, Blinky. Ah elle est classe en plus. Elle est classe. Je m'attendais que ce soit un tout petit truc. Il est mignon, monte-la de plus près, il va aller dans la déco. Ouais il est classe. Et avec ça, hein, tu peux le garder, le mettre dessus, regarde, hop, tu poses dessus, je pense, c'est classe. Comme ça, dans la bibliothèque. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça te fait, et à la limite, tu le remplis de pierre, ça te fait un quel livre. C'est vrai, hein? Ouais. Je peux? Du coup, je l'ai pas vu. Du classique, mais il est efficace, j'aime bien. On continue dans la nostalgie. Alors c'était du Pac-Man, c'était mignon, c'était du Funko. Un tube? Pour taper. Non, pas moi. Je vais te mettre dans la... Je pense que c'est un poster. J'ai déjà eu un poster. Je pense. S'ils ont mis le même par contre. Soit c'est un poster, soit c'est un truc chelou. J'espère pas qu'ils ont mis le même par contre. C'est le même. Il est violet. C'est quoi? Attention, un poster 2. Attends, déjà faut. Ah! C'est encore du Pac-Man! Bien! Et elle est classe. Recule là peut-être pour qu'on la voie d'un peu plus près avec le nom. Ouais, on voit tout. C'est très sympa, mais du coup pour l'instant il n'y a que du Pac-Man. Ouais. C'est ouais. Bon. C'est cool. Moi j'aime. Mais c'est ouais, il est sympa. J'adore. J'aime bien. C'est bien. On n'est pas déçu pour l'instant. La clé. La clé de cristal. Je ne sais pas du tout c'est quoi ça. Je ne sais pas du tout c'est quoi non plus. Il y a une clé. Player One. C'est un porte-clé. C'est un porte-clé. Déjà, c'est une clé. C'est une clé, c'est un porte-clé. C'est un porte-clé. Quel est ce jeu vidéo? Si vous savez, Ready Player One. C'est le nouveau film Ready Player One. Je ne sais pas c'est quoi. C'est le nouveau film. C'est le nouveau film de Spielberg. Il a fait un film. C'est le nouveau là. C'est Ready Player One. En fait, c'est un garçon. Sans spoil, en fait, c'est un film sur un univers parallèle de jeux vidéo, en gros. Et les gens se baladent dans cet univers là. Donc c'est en gros tu peux faire ce que tu veux dedans, tu peux conduire des véhicules de film, enfin voilà. C'est vraiment sans spoil, je vous raconte rien du tout. C'est vraiment juste le principe. Le film sort à la fin du mois, allez le voir, ça a l'air d'être une tuerie. Moi perso je vais aller dès la sortie. Ok, c'est pas mal, c'est sympa. Oh my goodness. Et du coup j'ai pas la référence vu que j'ai pas vu le film. On aura peut-être la référence après. Back to the Future. Oh, Back to the Future, la pièce. La pièce en argent. Oui, alors... donc là, on a la Sliver. La dernière fois, on avait eu la Gold.
si vous n'avez pas vu la vidéo de la précédente, on a eu la version Gold. Je pense au futur. Non. Non, d'une autre. Ah, à chaque fois, c'est des pièces. Non, c'était Sliver qu'on avait eu sur Jurassic Park. La dernière qu'on a eu en Gold, c'était quoi déjà? Bah pour moi, c'était Jurassic Park. Mais non, en Gold. C'était pas Jurassic Park. Je sais plus c'était quoi. Attends, peut-être que dans les premières pages. C'était Street Fighter. Hey, salut toi. Bon. Regarde, le gars, il a pris en photo. Il est. Moi, je les ai tous aussi. C'est toutes les pièces. Jurassic Park, Street Fighter, Sonic. Ah, oui. Et celle-là. C'est classe. Oui, on a vu Conan McLeod. Ah, Hellboy. C'est trop. Il y avait Hellboy, c'était carrément mieux. Hein. Moi, j'aime bien McLeod. J'ai kiffé. Donc voilà, une nouvelle pièce. Yes. Bah du coup, on va se battre. J'ai l'impression qu'elle est plus forte. Pour la garder. On va se battre pour la garder. Ok. C'est cool. Ah, trop classe. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais d'abord commencer par ça. Il y a un t-shirt. Ah, mais attends, je sais pas s'il est classe celui-là, je connais pas. J'ai pas reconnu, mais arrête un petit peu. Je sais c'est quoi. C'est Jumanji. C'est un t-shirt Jumanji. C'est un t-shirt Jumanji, les gens. Il est classe. Il est trop classe. Trop classe. Il est trop classe. Avec le jeu qui s'ouvre et tout. Je sais pas si on voit les détails. J'espère quand même que vous allez voir les détails. Mais c'est... Ouais. Il est badass. Et il y a marqué quoi du coup? Beware. Donc ça veut dire attention. Aventure. Et attention. Aventures. Attention aventure. Ah non, c'est attention aventurier, non, c'est pas ça, non? Ah oui, c'est ça, attention aventurier, je pense, comme dans... Et bah, c'est cool parce que c'est ma taille, c'est moi qui ai commandé le box. Qui kiffe. Il va aller dans ma collection. Un jour, je vous montrerai ma collection de t-shirts. On pourra faire collection. C'est... J'en ai... J'en ai trop. Si vous voulez l'avoir, mettez-le en commentaire. Ta collection de chaussettes? Ouais. Parce que j'ai que ça en collection. Bah pour moi, parce que je sais pas si toi tu vas kiffer. Des sous de verre, mon gars. Ah, sous le verre, des deux sous de verre Super Nintendo. Moi ça, je trouve ça, mais putain de classe. Ouais, bah moi je suis moins fan, donc je pense que tu vas le garder du coup. Oui. Je suis moins fan. C'est à qui ça? C'est à moi. Eh, tu peux toutes les montrer du coup, peut-être. Ah putain, c'est la classe. C'est la classe. Ouais, je trouve que montre-les un par un, parce que là du coup il y a trop de reflets, je crois. Ouais, Super Mario. Super Mario, je vais le saigner, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas aimé, moi. Moi, j'ai pas aimé du tout. Là, il y avait Zelda. Par contre, celui-là. Zelda, quoi. Et, non, et derrière, j'ai pas regardé encore. J'ai pas vu non plus. On laisse la priorité aux gens à la caméra. Non, mais en fait, normalement, c'est là. Ok, d'accord. En fait, tu t'es spoil tout seul. C'est Metroid. Super Metroid. Super Metroid. Pareil, c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup joué, moi. Super Metroid. Mais c'est des bons jeux, quand même. Oui, je pense que tu sais ce qu'on fera. C'est des bons jeux. On se fera un... On sera du rétro gaming. Battle rétro gaming. Rétro gaming avec ces jeux-là. Avec ces jeux-là, c'est sûr. C'était cool. Ok. Et pour la dernière chose. Putain, il y a encore un truc. Tu sais que ça fait des vidéos que je voulais te le faire et je me suis dit, ouais, c'est gamin, mais j'aime tellement ça. Ok. Elle était trop bien cette box. Et alors. On va juste regarder la pièce gold. Vous voyez, ils ont marqué. Donc, comme d'habitude, la pièce, nous on l'a eu en Sliver, elle existe en gold. Il parle d'ailleurs du. Ouais. Il parle du nouveau, donc du nouveau Jumanji. Box anglaise, donc le livre est en anglais, mais par contre, disponible en PDF en français. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouvez le lien pour pouvoir le lire. Et il parle de quoi? Ready Player One, donc ils en parlent. Hein. Tout simplement, je regarde un petit peu Ready Player One après. Franchement, regarde les images. Après, hein. D'accord, donc en fait, c'est des gens, ils vont rentrer dans un jeu vidéo ou... Ouais, et regarde ce qui conduit le gars. Et il rencontre ces gens-là et tout? Ouais. Bah oui, parce que les gens. Personnages de jeux vidéo. Bah oui, parce que les personnages, en fait, tu peux choisir le personnage que tu veux, comme avatar. Donc il y a des gens, ils ont choisi des avatars de ouf. Ah, c'est marrant ça. Bah oui. Battle pour le prochain. Pour la prochaine Z-Box, c'est Battle. Et ça sent le Street Fighter, tu disais effectivement. Ça sent le Street Fighter pour la prochaine Z-Box. Totalement. Thème Battle. On vous fait des gros bisous les amis, on vous remercie encore de nous suivre. Toujours plus nombreux, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci à vous tous. Le mois prochain, encore une Z-Box. On voit pour les Woodbox, parce que l'abonnement pour l'instant, on sait pas, on verra. Ça sera la surprise. Des gros bisous. Tchuss. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.